Alors que la France est en confinement obligatoire depuis mardi 17 mars, l'Angleterre, elle, ne rentre dans le processus que depuis ce vendredi 20 mars. Kate Middleton et le prince William ont bien l'intention de suivre les directives du gouvernement et de maintenir une distance sociale, en dehors de leur famille composée de George, Charlotte et Louis, leurs trois enfants. Depuis déjà plusieurs jours, le duc et la duchesse de Cambridge avaient décidé de faire l'école à la maison pour le prince George et la princesse Charlotte. Mais comme l'ensemble du monde, l'avenir semble incertain et la population trouve déjà le temps long. Mais le prince William semble déjà avoir un plan pour sa femme et lui, afin d'occuper leur journée à la maison. Ce jeudi 19 mars, le couple royal a rendu visite aux travailleurs du centre d'appel de secours, dit, de première ligne face à la pandémie. Discussions et remerciements, tout en respectant les distances de sécurité de 2 mètres, étaient les mots d'ordre de cette visite. Et afin de détendre l'atmosphère, le prince William a annoncé comment allaient être ses prochains jours en famille. « Je pense que nous allons tous avoir beaucoup de télévision à regarder dans les prochaines semaines. » Kate Middleton et le prince William ont voulu, à travers cette visite, faire écho aux paroles de la reine Elisabeth II. En effet, la grand-mère de William et Harry, a cette semaine imploré les Britanniques de travailler ensemble, d'être solidaires pour vaincre ce virus épuisant le monde entier. Si est-il dans des moments comme celui-ci que nous réalisons à quel point le NHS représente le meilleur de notre pays et de notre société, des personnes de tous horizons avec des expériences et des compétences différentes, se rassemblant pour le bien commun. A remercié le prince William. Un appel au soutien national si la famille royale, et notamment Kate Middleton et le prince William, accompagnés de leurs enfants, vont rester à la maison en famille. D'autres personnes, parents eux aussi, doivent chaque jour se battre contre le virus et quitter leur famille pour travailler. Est-ce ce que le duc de Cambridge a souhaité souligner lors de sa visite, non seulement le personnel du NHS et les secouristes répondent aux besoins du public, mais ils, comme le reste d'entre nous, sont préoccupés par leur famille, leurs amis et leurs proches. Avant de quitter le centre d'appel, le couple a appelé au soutien national pour le personnel soignant. Catherine et moi avons été fiers de rendre visite au personnel travaillant au NHS 111, de transmettre nos remerciements personnels. Ils ont autant besoin de notre soutien que nous avons besoin du leur. Espérons que cette situation s'améliore au plus vite.